Et rebonjour, je vous l'avais promis, je reviens avec le colis et j'avais raison, j'avais trouvé, c'était Nathalie G. Mais comme je n'avais que son nom de famille et que je ne connaissais pas jusqu'à présent son nom de famille, eh bien je préférais patienter d'avoir la confirmation de Maya pour vous présenter et dire que c'est Nathalie G. Alors je vais allumer ici parce que le soleil s'est couché. Et vous présenter tout ce qu'il y avait dans ce magnifique colis. Alors, je vais déjà vous montrer la participation, la création qu'elle a faite pour la participation au concours qui est. Waouh. Elle est magnifique. J'adore. Tout est en. Les cadres, les rouages. Tout est magnifique. Alors ici, les deux photos, j'adore. Elles sont superbes. Enfin, ce n'est pas des photos, c'est des. Plus en relief. Des estampes. Je ne sais pas très bien comment on pourrait appeler ça. Tout est super beau. Et alors? Attention, ouvrez les yeux et hop, on a des deux côtés. C'est juste magnifique. Nathalie, une très belle création. Il y a de tout, il y a des morceaux des fins morceaux de bois, il y a un filet, les coquillages, les petites bouées à l'intérieur du cadre. C'est de la pâte. Tout, il y a du fil, il y a le petit poisson, les amelles. C'est juste superbe. Regardez ça comme c'est beau. Et alors ici, l'image est. J'en reste sans voix. Elle est vraiment trop belle. Quelle patouille, quelle. C'est magnifique, Nathalie. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vais déjà noter ton nom. Après, je te mettrai dans une enveloppe à part pour mettre ça. Bien garder ton numéro. Je cherche après mon bic qui est là. Donc, Nathalie, tu es le numéro 48. Voilà, numéro 48, Nathalie G. Et en parlant de numéro, enfin de concours en particulier, je vais juste faire une petite aparté avant de montrer le reste. Une petite aparté pour vous dire que j'ai reçu cet après-midi le message de deux scrap copines qui m'ont dit qu'elles avaient envoyé leur participation aujourd'hui. Bon, comme je suis en Belgique, hein, vous le savez, il reste 2 jours, qu'elles ne sont pas certaines. Que je l'aurai à temps. Et j'ai répondu que, bien évidemment, puisque de toute façon leur message, je l'ai reçu avant la fin de la semaine, avant la fin du concours, que je vais patienter, enfin que vous allez patienter, et moi aussi, pour faire le tirage au sort, le temps de recevoir leur participation. Je pense que c'est un peu plus normal, hein. Ce serait vraiment dommage que de le recevoir le lendemain et de ne pas faire partie du tirage au sort. Bon, je ne sais pas ce que Kenza a aujourd'hui, mais là, autant vous dire qu'elle n'arrête pas. Allez, chérie, là, je suis occupée. Voilà. Donc, on continue. Elle m'a fait une petite boîte. Donc, je ne sais pas. Oui, moi, je mets mes lunettes pour voir si vous voyez bien directement. Alors, là. Enfin, c'est pas la toile de jute, c'est du filet, de la corde qu'elle a collée, un ensemble de coquillages, de petites pierres, j'adore cette couleur, de perles. Ça ici, je ne saurais pas exactement dire ce que c'est sur une tige, je ne sais pas bien ce que c'est. Ici, il y a un rouage en dessous, très joli, à l'arrière de la boîte, j'adore. Et à l'intérieur de la boîte, elle m'a glissé son ATC, qui est magnifique. Je me demande si c'est pas la mousse à raser, le fond.
Quelque chose dans le genre, je ne suis pas certaine. Donc l'étoile de mer, le coquillage, du filet. C'est vraiment trop beau, l'encre, perle. C'est un. Allez. C'est dégradé de bleu. Ce mélange de bleu. Je ne suis pas certaine. Ouais, peut-être bien la mousse à raser. Je ne saurais pas le dire exactement. On m'a dit, ben, je vais garder ta petite boîte qui est superbe. Et je vais mettre ton ATC avec mes autres ATC. Donc, on rouvre. Alors, dans un petit sachet, elle m'a mis, j'adore, un petit poisson. Trop chouette. Vraiment trop chouette. Et le petit bateau que je vais pouvoir accrocher. Très joli. Je vais avoir une super déco dans ma scrap room. Ça va être génial. Alors là, je ne sais pas où tu les as trouvées, mais elles sont superbes. Ce sont des serviettes en papier. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Elles vont rejoindre les autres. J'ai dit que j'allais regarder et je vais le faire, c'est promis juré. Je vais regarder une vidéo de Nanny Scrap où elle explique comment utiliser dans les créations les serviettes en papier parce qu'elle m'en a envoyé aussi. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas fait. Mais c'est promis juré, je vais le faire. Alors, elle m'a envoyé une sublime. Enfin, je ne sais pas si tu appelles ça un galon, parce que tu t'y connais mieux en couture que moi. Mais c'est juste magnifique. Je te remercie parce qu'elle est superbe. Donc, c'est blanc et bleu ciel. Donc, un bleu bien tendre. Je la trouve superbe. Et merci beaucoup pour ton attention. Ça me touche beaucoup. Donc ça va aller dans mon rangement. Je vais dire dentelle, mais enfin bon, tout ce qui est comme ça. Alors, elle m'a envoyé de magnifiques journaux. Donc ça, c'est du 28 mai 1950 et le 6 août 1950. Le petit écho de la mode. C'est génial. Franchement, moi qui aime le vintage, qui aime le. Rien que ça déjà, regardez la tête. C'est Roger Violet. D'abord, je vais pouvoir lire. J'aime bien. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, ici, le second. Génial, 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 génial. J'adore regarder les anciennes publicités. Et tout ça dans le vintage, ça sert. Hein. Ça sert. Moi, je voudrais aller, enfin, pour les Belges qui connaissent, je voudrais aller à Redu. Donc, c'est un petit village en Belgique, mais vraiment un tout petit village, où il y a encore possibilité de trouver voilà, des anciens magazines, des vieux livres, des vieilles photos. Et cet été, en général, on se promène à Redu très régulièrement. Ça fait un an ou deux qu'on n'y est pas allé, mais cet été, je vais aller avec Pilou. Il y avait encore deux très jolies serviettes comme ceci. Il faut vraiment que j'aille voir cette. Je garde, je sais, Nathalie, tu sais ce qu'il y a dans la boîte, je garde en dernier. Donc ici, elle a. C'est adorable. Elle a envoyé ceci pour mon neveu. C'est tout un ensemble. Donc sur les Avengers. Alors c'est ma pochette Marvel. Et il y a un livre de coloriage, un livre d'activité, un grand poster recto verso, deux masques, des stickers et des tatous. Il va être super heureux. Alors pour l'instant, vous le savez, Nathalie, tu le sais, je lui envoie les photos parce que il ne peut rien voir de l'extérieur. Tout doit être comment on dit ça maintenant? Ça y est, je perds mes mots. Stérilisé.
Donc, pour avoir de ces petites nouvelles, on a eu hier, j'ai eu un message de ma sœur hier, il va rentrer à la maison probablement au début de la semaine prochaine. Donc, on est hyper contente quand même depuis début janvier qu'il est à l'hôpital. Et là, la moelle commence déjà à produire ses anticorps. Il a déjà ses globules qui remontent. Et ça, les médecins sont super contents parce que ça ne va pas toujours aussi vite. Et ça se passe bien. Donc voilà, normalement, il va rentrer la semaine prochaine. Et alors, regardez ça. Et j'avoue que quand j'ai vu la tête de mort, je reconnais que j'ai hésité entre Audrey sans nom, et toi, Nathalie. Et je me suis dit, non, Audrey a déjà participé, donc c'est Nathalie. Puis j'ai vu les livres des magazines, des anciens magazines. J'ai vu ça. Et j'avais plus vraiment de doute, mais je n'osais quand même pas, au cas où je me gourre. Alors regardez-moi ça, c'est une bouteille qu'elle a tout à fait décorée en mixette média. Mais c'est juste magnifique. Elle est magnifique, je vous jure, j'étais vraiment émue. Et alors, je me suis dit, je vais quand même ouvrir le bouchon, puisqu'il y a un bouchon. J'ai ouvert le bouchon. Et regardez à l'intérieur. C'est juste magnifique. Alors, Nathalie, oh, ça sent bon en plus. Oh, ça sent vraiment super bon. Nathalie, je n'ose pas ouvrir. Donc, je ne sais pas si tu m'as mis un petit mot à l'intérieur qui aurait pu me dire que c'était toi, puisque je n'ai pas trouvé de carte ou pas. Mais c'est tellement. Ça, je ne sais pas pourquoi, ça me semble tellement fragile et j'ai peur de ne pas savoir bien le remettre que je ne l'ai pas encore ouvert si je devais l'ouvrir. Mais. Quoique si. C'est maintenant que je vois par-dessous que tu as signé. Tu vois, je l'aurais ouvert, j'aurais su que c'était toi. Et pour finir, bah, écoute, ça a fait comme un petit suspense, hein, et quelque part, j'ai gagné puisque j'avais deviné que c'était toi. Donc, je déballe. Oh là 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 là. Je déballe. Ça a l'air comme ces parchemins anciens. Ça m'a l'air tellement fragile. Mais quel travail, quel travail. C'est magnifique. Alors, voici ma modeste participation. Oui, t'es très modeste, toi, hein, franchement. À ton concours, je dois t'avouer que je ne suis pas satisfaite de mes créas. Pas évident, le thème marin, lol. Je me dis que tu as reçu des merveilles, cela te fera oublier le pire, mort de rire. Je trouve que tu as beaucoup d'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Alors les filles, mettez-moi en commentaire parce que vous allez voir cette vidéo. Je vous ai lu ce qu'elle a mis. Soyez franches et honnêtes, hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de sa modeste participation et de ses créas dont elle n'est vraiment pas bien. Pas bien. Elle n'est pas tout à fait satisfaite. Eh bien, moi, je peux te dire que tu as fait des merveilles, que pour ma part, je suis ravie de les recevoir. Je trouve que tu as beaucoup de talent. Beaucoup, beaucoup de talent. Je le savais avant de recevoir ta participation. Je la remets dans la petite bouteille parce que c'est trop chaud. Et que je trouve ça merveilleux. J'ai pas d'autres mots. Pas d'autres mots. J'adore. Donc ça va directement dans ma déco, bien entendu. Et allez les filles. Faut vous y mettre un. Hein. J'attends plein de commentaires sur les créas bof bof de Nathalie. Moi je dis qu'elle mérite un hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Merci Nathalie, merci, c'est magnifique. J'adore, je te jure que j'adore. Alors si tu trouves que ça c'est pas beau,
qu'est-ce que doit être le reste? Allez, je vous embrasse. Maya m'a demandé si je faisais, si j'avais pas envie de faire un live ce soir. Je sais pas, je me tâte. Donc peut-être que ce soir, si vous recevez une petite notif, vous aurez envie de venir causer un peu. Mais c'est pas 100% prévu. Donc je sais pas, on verra quand l'heure arrivera. Vers, de toute façon, moi c'est vers 21h. Donc si j'en fais ou pas. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt. Bisous. Merci Nathalie.